C'est depuis cette pièce qu'est distribué Internet vers votre domicile. Dans cette grande salle, se côtoient le bon vieux fil de cuivre et la fibre optique. Physiquement, on est au répartiteur, donc de Soisis au Montmorency, qui voit les deux technologies, la technologie cuivre, qui dessert 36 000 communes, 36 000 clients de la zone immédiate autour de Soisis, et le répartiteur optique qui, lui, peut desservir jusqu'à 100 000 logements et sur des communes qui s'étendent autour de Soisis. Demain, quand plus personne ne sera raccordé à Internet par le cuivre, c'est de cette salle que partira la fibre optique, une fibre qui file ensuite en sous-sol. Ces câbles partent sous nos trottoirs, ils remontent ensuite en extérieur, dans ces armoires, où immeubles et pavillons sont raccordés. Grâce à la fibre optique, Internet est toujours plus rapide, le débit est meilleur, on peut regarder la télévision sur plusieurs écrans en même temps. Le déploiement de la fibre se poursuit dans le Val d'Oise, comme ici, à Soisis, où Orange travaille au raccordement de 100 000 logements. Ça fait 2, 3 ou 4 ans qu'on a vraiment décidé très fortement de déployer la fibre ici. Et donc là, on a prévu de déployer les 100 000 logements de l'ensemble des communes que vous avez vu ce matin dans l'espace des 2 à 3 ans qui viennent. Orange, qui compte un an d'avance sur le développement de la fibre dans le Val d'Oise, a fait de ce site de Soisis sa vitrine. C'est le showroom régional de la fibre. Ici, élus et chefs d'entreprise sont donc invités à suivre le parcours de la fibre à la vitesse du très haut débit.